Est-ce que je dois reprendre le bateau? Je pense que je peux pas traverser autrement. What? Ah oui, d'accord, un roi gluant. Il est en train de quoi le chariot? J'ai pas vu ce qu'il y avait d'écrit. Et remettre ça. Ça m'étonnait qu'il ne l'avait pas fait tout à l'heure. Je vais essayer de voir ce qui est écrit. Il se retourne et claque la porte du chariot. Pourquoi il fait ça? Je comprends pas le truc là. Où est-ce que j'ai garé mon bateau, moi? Il a pris ton chariot? Tu n'aurais pas pu accéder au convoi. Ah! C'est juste ça. Il perd son temps, hein. C'était où le mec des mini-médailles? C'était pas au nord-est? Non, ça c'était l'autre avec... comment dire, le fantôme là. Putain, il y a un truc juste à gauche là. Après, je devrais pas trop me balader non plus. Je vais peut-être aller à Gotha. Et on verra après. Qu'est-ce que c'est? Au sud, vous trouverez le royaume désertique d'Elmonaptra. D'accord. Je vais suivre le sud ici. Comme ça, ça va me dévoiler la carte. Bien joué, Gélule. J'aimerais bien que ce soit lui qui progresse quand même. Je vais peut-être accoster ici, ouais. Pour me balader à pattes. Ce serait là? Oula, quand même! Bon. Je les ai pas encore vus taper, donc je sais pas ce qu'ils font. Ça va. Heureusement que c'est 50% de chance de marcher, ça. Hein. Pour eux. Quand c'est moi, ça m'arrange pas, mais...
Ouais, ils sont longs à tuer, mais par contre, ça paye quand même. Un masque de fer. Pour cela, ça ne sera pas très utile. Hein? Ça doit être ici les mini-médailles. Laissez-moi tranquille! Je m'entraîne pour devenir un super gluant comme celui qui est sur le toit du château. Ouais, c'est là parce qu'il y a la médaille. La barre de fer. Mais qu'est-ce que c'est, ce petit? Vous venez échanger des mini-médailles? Pour l'instant, j'ai seulement réussi à récupérer un pyjama de combat. Les médailles en chocolat sont vraiment bonnes, je suis complètement accro. Comment? Si j'ai entendu parler d'un trésor caché dans le château? Non, ça me dit strictement rien. Pourquoi vous n'allez pas demander au roi Dominicus? Là, je fais plus les slurps. Il y en a un, ça va le réveiller, là. Bonjour, si vous cherchez la banque, vous êtes au bon endroit. Je veille avec beaucoup d'attention sur les économies de mes clients. En fait, je les mets dans mes propres poches. Vous inquiétez pas, faites-moi confiance et déposez vos économies. Le système de mini-médaille dans ce jeu est différent. Bah, j'aurais du mal à savoir comment il est, puisque je me souviens pas des autres jeux, quoi. Vous voulez me demander ce que je sais sur un trésor qui serait caché dans mon château, mon petit Minimus? Je me demande si ce n'est pas ce truc qui est apparu comme par enchantement l'autre jour. Je me suis creusé la cervelle pour lui trouver une utilité, mais cela n'a pas donné grand-chose. Il a été sur mon trône pendant quelque temps, mais cela a blessé mon postérieur dominien. La dame de l'auberge m'a dit que ça pourrait sûrement lui servir, alors je lui ai donné. D'accord. Bienvenue dans notre auberge, voyageur épuisé. Nous demandons 80 pièces d'or. Let's go. Est-ce qu'elle va me donner l'information là? Ce que sa majesté m'a donné? Ah, ce truc! Au début, j'avais pensé que ça pourrait faire un beau presse-papier, mais je me suis fait une entorse au poignet en essayant de le poser sur une lettre. Ensuite, j'ai voulu m'en servir comme planche à découper, mais vous verriez dans quel état est mon couteau. Finalement, j'ai donné ce truc au gars de la banque. Bon débarras. D'accord. Par contre, c'est pas lui pour les mini-médailles? Je collectionne les mini-médailles, qui seraient disséminées dans le monde entier, à ce que l'on dit. Vous avez actuellement 17 mini-médailles. Ah, je pensais pas en avoir autant. Alors, que puis-je vous offrir? Un pyjama de combat. Ah, le up est pas mal. Mais du coup, comment ça se passe? Si j'utilise les 17, là, je retombe à 0, ou alors il faut que... Enfin, je peux prendre les deux objets qu'il y a là. Une épée très rapide qui peut frapper deux fois en un seul tour. C'est bizarre, Toxic peut pas la mettre. C'est très dommage. Par contre, celle-là, elle est pas mal, hein. Il y a l'armure sacrée qui est bien aussi. Parce que ça, le up, il est pas fou, hein. Ah, mais attends, non. Cet habit absorbe parfois les PM des sorts ennemis. C'est fou, en fait. Non, tu prends l'objet à 17 et tu te retrouves à 0. Ouais, le truc, c'est que ça, je risque de pas le garder longtemps, en fait. C'est ce qui m'embête. L'épée à une main, après il y a celle du casino. Bon, après j'ai pas les jetons pour le moment, mais... Le truc que m'a donné la propriétaire de l'auberge était si dur que j'ai pensé que ça ferait un super bouclier. Le problème, c'est que c'était trop lourd. Je ne connais personne qui aurait pu se trimballer avec ça toute la journée. Finalement, ça m'encombrait plus qu'autre chose, alors j'ai jeté ce truc dehors. La lame du faucon super utile pour la chasse au gluant.
mais pas très forte sinon. Ouais, ça tape deux fois effectivement. C'est une maxi médaille. Au secours! Dégluez-moi de là! Une voix paniquée semble provenir d'en dessous. Venir à son aide? Merci de m'avoir sorti de là. C'était tellement angluissant. Angluissant. J'ai cru devenir fou. Je croyais que ce serait utile à mon entraînement, mais je me suis retrouvé coincé tout. On ne peut pas laisser ça là, c'est dangereux. Prenez-la, allez. Le gluant pousse la maxi médaille vers Toxic. Et ça sert à quoi? Moi, je crois que c'était un bouclier, en vrai. Tchou, faut me débarrasser d'un sacré poids. Je vous laisse, je retourne à mon entraînement. Je croyais vraiment que c'était un truc intéressant. Mais t'as raison, Alain, en fait. Un truc où t'économises et à la fin, tu prends rien, en fait. Du coup, je me demande si je vais pas prendre la tenue qui permet de recharger. Bon, ça va être un truc à exposer, ça. Je vais regarder ce qu'il y avait d'autre. Ah, je l'ai récupéré il y a bien longtemps, mais je préfère de loin les mini-médailles, elles sont tellement plus jolies. Vous pouvez la garder si vous voulez. Si vous pouviez même l'emporter loin de mon domaine, ça m'arrangerait. Ah, je me sens tellement mieux maintenant. Bien, voyons voir. Qu'est-ce qui serait susceptible de m'intéresser? Il y a ça. Bon, l'épée, c'est vrai qu'elle est folle, hein. Genre, si je l'avais là maintenant, ce serait bien. L'armure aussi est très bien pour résister. Le bouclier, ouais, il est bien aussi. En fait, tout est bien. Et ça, c'est vraiment bon, optionnel, parce que c'est pour chasser, on va dire, le gluant. Quoique, là, actuellement, elle est quand même bien, l'épée. Vu ce que ça met comme stat aux autres. Pour le moment, je prends rien, je vais attendre. Je crois que c'était 23 médailles. J'aviserai. Allez, direction l'est. Je vais approcher mon bateau par contre. Ouais, j'ai bien fait parce que je pourrais pas traverser. Je crois. Ah, de nouveaux ennemis. Ok, celui-là a tapé en premier, je pense, hein. Après, le dragon, il fait peut-être la même chose, hein. C'est pas impossible. Bon, j'ai lu le niveau 12, hein. C'est pas encore ça, hein. Un petit village étape. Hé, amour sur vous. Bienvenue à l'auberge de la Pie. On a plein d'offres spéciales en ce moment. Des offres spéciales?
Ça ne fait pas longtemps que le fils de Mamipi a posé son fil et son aiguille. Chaque fois qu'on l'entendait, c'était des ouïes et des ah. Il était vraiment gluant. Bon. Je suis une religieuse itinérante. Puis-je vous demander si vous comptez vous rendre à Gotha ? J'y étais il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé que l'atmosphère était assez pesante. Faites bien attention si vous y allez. Ben oui, j'y vais justement. Mais avant ça, je fais le tour de votre patelin. Mais sur vous, si vous mettez le cap au nord, vous devriez finir par arriver à Gotha. Mais il faudra escalader une sacrée montagne, ça va pas être de la tarte. Si vous pensez y aller, vous avez intérêt à vous reposer un peu ici. Tranquille, quoi. Ah, c'est Mamipi. Oh, je suis quasiment full, mais... On récupère et en route. À mon avis, c'est là qu'il y a un gros donjon. Ah, il y a des nouveaux gluons AXP dans la montagne, les gluons de Mercure. Ben, on verra ça. C'est par là, je présume. Ah, dans la grotte. Je vais voir ce qu'il y a au nord avant. Est-ce que c'est bien sage de se balader? Alors qu'au contraire, il faudrait que j'y aille tout de suite. Je vais y aller tout de suite. Ça, c'est très embêtant ce genre de groupe parce qu'ils font mal cela. Ça va, il y en a qu'un qui a tapé. Bon, ça c'était inévitable, je crois. Hein. Si vous franchissez ces montagnes, vous atteindrez le royaume de Gotha. Mais le chemin est vraiment dangereux. Si vous n'avez pas de véritable raison d'y aller, je vous conseille de faire demi-tour. Regarde, Toxic, on voit ta terre natale. Peu importe que le chemin soit dangereux, nous sommes si près du but maintenant. On ne peut pas faire demi-tour. T'as raison, ma chérie, on y va. Les dragoptères. Il faut le déglinguer direct. Ah oui, il a pas beaucoup de points de vie en plus. Mais arrêtez de fuir hein. Je cherche des passages secrets qui n'existent pas.
T'as posté un réel sur le Discord? J'ai pleuré de rire. C'est quoi un réel? Moi je suis une bille en réseaux sociaux, mec. Oh là! C'est eux qui commencent à attaquer direct comme ça. J'ai du bol qu'il n'y en a qu'un seul qui a fait des sorts. Hein. Ouais, j'ai intérêt à me méfier de cela. Par contre, je vais pas rester aussi bas et je vais ménager les PM comme d'hab. Vivement que j'ai le soin de groupe quand même. Et alors, il y a un coffre là-haut déjà. Pas mal. Enfin, c'est toujours ça de prix quoi. C'est quoi cette bestiole? Ils ont réussi à faire pire que l'ornithorynque quoi. Je pensais vraiment qu'il allait mourir l'autre. Ah, je me suis fait avoir. Ah, enfin j'ai eu le... Mais pas de nouveau sort. De toute façon, le soin de groupe il doit être assez tard, ça doit être 18 ou 20 je pense. En somme, pas pour tout de suite. Quel endroit curieux. Alcajar, mince. je vais changer un truc là. Oh purée, j'ai pas l'épée de Petros. C'est très embêtant. C'est pas grave. Thank you.
Pardon? On se calme en fait. Ouais, eux ils rigolent vraiment pas. Hein. Tant que je peux utiliser ça, je préfère, même si ça me prend un petit peu de temps. Oh tiens. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? On s'est perdu? Mais pauvre, vous voulez peut-être passer la nuit ici alors? Je le sens pas du tout ça. C'est bizarre cette histoire. Bonne nuit, Mona. Hé, toxique. Tu as entendu ce bruit? Ça ressemble au bruit d'un couteau qu'on affûte. Je crois que ça vient de l'étage. Tu veux bien aller voir? Fais attention à toi, hein. Que se passe-t-il? Toxique semble paralysé. Oh, vous êtes réveillé? Je vous ai lancé un sort pour que vous dormiez comme un loir. Mais ça n'a pas dû suffire. Regardez-moi ça. J'ai affûté votre arme. Toxique voit sa force augmenter de 5. Mais il fait encore nuit. Vous devriez retourner vous reposer. Ah, c'est un fake piège. Je croyais m'être fait piéger, mais en fait, pas du tout. Vous avez bien dormi, il fait déjà jour. Bonne chance pour la suite de votre voyage. Merci, mamie. Ah ouais, t'as l'impression qu'elle va te... qu'elle va t'égorger ou je sais pas quoi, et en fait, non. Bon. Oui, d'abord ça. Merci, le deuxième écran. Ah non, pas encore cela. Par contre, elle a augmenté que la force de Toxique. Bon, c'est déjà ça, hein. On va pas trop se plaindre. Une bague de prière. L'utilisation de cette bague sacrée permet de récupérer des PM. Il est possible qu'elle se brise après utilisation. Ouais. Y a plusieurs chemins. Ça, c'est d'où je venais, en fait, je crois. Oui. Je crois, j'ai un doute. Et c'est là. De toute façon, faut que je monte. Donc, à chaque fois, je vais descendre quand il y aura un embranchement. J'ai du bol, je les prends tous par surprise, là. Enfin, c'est pas vraiment ça, ils sont abasourdis. J'avais dit qu'il m'en manquait quoi? 7?
Ça m'en fait déjà deux ou trois en plus là. Je sais pas où on peut voir le nombre de mini-médailles qu'on a. Dans 8, il tombait amoureux de Jessica. Tiens. Bon, pour le moment, cette zone se passe pas trop mal. Après, il y a la mamie qui nous a soignés, donc ça aide forcément un peu. Là, il y a une grotte. Ok, c'est la suite. Ok, maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. C'est peut-être les mêmes ennemis gore. Hein. Tant que c'est des petits groupes comme ça, ça va. On verra. C'est les mêmes. C'est pas les mêmes. Il y a un prince maudit. Ah non, pas de dodo là. Oh purée. Ils sont tous endormis. Et qui peut rester endormi quand on se fait taper dessus? C'est infernal ça. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Une aile de chimère. Ok. Ça, c'est vraiment l'objet qui sert plus vraiment à l'aile de chimère. Le prince maudit peut l'outre, un sceptre de foudre. Ah, ah mince, il y a deux groupes de princes. C'est très embêtant ça. J'aurais mieux fait de taper les mêmes en fait là. Parce que du coup j'ai tué personne. Ouais, parce que l'aile de chimère, ça sert à quoi? À sortir du donjon, c'est ça? Même pas? Permet de retourner dans un lieu déjà visité? Ouais, si, ça peut servir quand même, mais... Disons que t'as la magie pour ça, donc... C'est juste si tu veux vraiment écho les PM, hein. Yes. Utiliser... En fait, le vrai héros du jeu, c'est le poney qui te suit partout avec sa charrette.
Forêt, montagne, désert, caverne, volcan, océan, rien ne l'arrête. Bah, s'il fait comme les monstres et qu'il flotte sur l'océan, effectivement. Enfin, il marche sur l'océan, pardon. Ça te ramène à la ville visitée précédemment. Alors ouais, mais le problème, c'est que quand t'es dans un endroit comme ça, tu te cognes la tête. Enfin, je pense, hein. Si je dis pas de bêtises. C'était un cul-de-sac, je pensais trouver un coffre ici. Ah non, on n'est pas fatigué. Je préfère qu'ils attaquent en fait. Il fallait qu'ils esquivent évidemment. Et ouais, la torpeur, c'est un super sort quand même. Alors pour nous, ça peut être totalement horrible. Mais ça peut aussi vachement aider sur un groupe de monstres, justement. Comment ça, ils attaquent avant moi, là? J'ai pas fini avec Gélule, hein. J'aime bien son nom. Encore cela. Évidemment. Bon, moi le deuxième n'attaquera pas. C'est pour Toxique. Et qui d'autre? Bianca. Est-ce que je viendrai faire un tour gratuit là? Gratos? Un centurion. Il a l'air violent lui. Et je dis ça parce qu'il est seul, mais il a peut-être juste pas de chance. Il a pas de chance. Et oui, j'ai fait un tour gratuit, il n'y avait rien. Par contre, j'aurais dû en profiter pour voir s'il n'y avait pas des coffres dans le décor. Les repérer d'avance, quoi. Là, j'ai pas trop fait gaffe, du coup. Il y a ce passage-là. Qui c'est celui-là? Qui sait que ce Gugus? Il y a l'air d'avoir deux chemins différents en tous les cas. Oh non, pas Gélule!
Ah mais ça a augmenté la puissance des soins avec ça là. Avant je crois que ça me rendait 30. Ah non c'est toujours ça. 35 en fait. Je crois. Non c'est trop rien en fait. Mince, il y avait qu'un seul chemin en fait. Ça c'est pas juste. Pourquoi il est si nul lui? Il cache quelque chose. Si, il y a deux trucs là. Qu'est-ce que t'as ? Non, y a pas. Évidemment. Purée, je l'ai même pas fini quoi. Ah, faut que je remette l'épée de Popa là. Au cas où il y a un boss. Et je la retrouve. Je sais pas ce qu'elle fout dans le sac, je crois que c'est un marchand qui me l'a mise là. Quand ils font leur soi-disant ménage dans l'inventaire là. Je suis un prêtre itinérant. Parfois, cela me paraît un peu long de voyager seul. Pour l'épée de Petros, pour moi, c'est une fraude. Quand on voit les critiques qu'il faisait souvent avec. Oui, mais c'est les statistiques du personnage qui font écrites.